Ouais, bon, tu vois là, le gars, il est parti en couille, hein. Genre, il part du quartier, il est énervé à cause de sa meuf. Et le type, il va au paquis. Il se pose dans un bar, tout seul, dans un. Tu sais, les salles bar des paquis, je veux dire, paquis, tout le monde connaît, quoi. Le gars, il reste là, il hésite, il allume une cigarette. Il l'interpelle, elle, l'informe des tards, il fait l'empare, comme un tour de main. Était-il naïf au point d'ignorer qu'on payait avant l'acte, timide en tout cas dans l'escalier, il avait honte et baissait la tête. Il monte les marches une à une fois qu'elle est déshabillée, il part sur la lune. Juste après le septième ciel, la première à droite, aux toilettes, elle se refait une beauté d'une manière adroite, lui fait promettre de revenir prochainement. Il doit admettre que tout s'est passé si rapidement, certes tout en quelques minutes, pour une somme astronomique. Pourtant c'est dérisoire, quel extraordinaire, mais il y a un hic. Si c'est bon que sa femme savait, il serait un homme mort. C'est lui dans la rue, encore un petit enfer. Le client a des remords. Il a honte, une belle et c'est mort. L'état de quoi, comme c'est pas ta femme. Si c'est bon que sa femme savait, il serait un homme mort. J'ai vu son comportement, mais dans la culpabilité. Le client a vu un film sur la prostitution, a entendu un morceau de rap sur le proxénétisme, est exaspéré par cette société de consommation, trouve malsain la pédophilie, le sadomasochisme, n'adhère guère aux vidéos pornographiques, n'en regarde qu'à l'occasion quand une de celles-ci traîne, veut faire la guerre aux filières du trafic de drogue, par-ci paraître, c'est la mafia qui les traîne. Le client n'aime pas la corruption, ni la haine que la correction, seuls les êtres humains doivent être honnêtes dans leurs relations, il se remet souvent en question, est un adepte de l'autodérision, culpabilité, mais les putes, les cigarettes et la boisson. Le client a des remords. Il décide de se prendre en main, de prendre les devants, de ne plus prendre son pied comme ceci, de renoncer à voir les péripatéticiennes utiliser sa propre expérience pour dénoncer leurs péripéties. Il ne veut pas monter ou rejoindre une association, juste avoir la conscience tranquille, confiant en l'avenir. Il combattit envers ses consoeurs et confrères, s'il compte leur faire ce qu'il leur faut. Plutôt perdu, le mot convient mieux. Pour qu'il revienne, il a quand même fallu qu'on en vienne au mot. La parole l'a libéré, j'espère que si chacun s'y sépare, un jour il n'y aura plus de prison ni de bourreau. Le client a des remords. Paranoïa comme il est, il croit qu'on l'a vu. Et entendu, il y a des rumeurs. Si c'est bon que sa femme savait, il serait un homme mort. C'est lui dans la rue, encore un petit enfer. Le client a des remords. Il a honte, une belle et c'est mort. L'état de quoi, comme c'est pas ta femme. Si c'est bon que sa femme savait, il serait un homme mort. J'ai vu son comportement, mais dans la culture. Le client a des remords. Client d'un jour, pas forcément client toujours. Renonce à ton pouvoir d'achat, troque le contre celui de l'amour. Pardonne-toi toutes tes erreurs. Le client est mort et l'homme n'a plus de remords. Client d'un jour, pas forcément client toujours. Renonce à ton pouvoir d'achat, troque le contre celui de l'amour. Pardonne-toi toutes tes erreurs. Le client est mort et l'homme n'a plus de remords. Non, non. Que mes doigts encore, il est défoncé. Vas-y, réponds, mec. Allô? Allô, ça va ou quoi? Ouais, Rock, ça va, cool. T'as la gueule dans le cul, mec. Ouais, trop, mec. T'as déconné hier, mec. Quoi, comment? Tu te rappelles pas qu'est-ce qui se passait ou quoi? Non, non. Toi, t'es rentré comment, toi, mec? Mais je suis rentré en courant. Ouais, j'étais trop bourré hier. Ouais, mec. J'étais trop bourré, mais mec, tu te rappelles de rien qu'est-ce que t'avais? Non. Mais t'as tapé un type pour rien, mec. Quoi? T'as vu un type, t'as demandé une clope, puis t'as dit non, t'as mis une claque, tu l'as enchaîné. Tu me dis quoi? Nous, on a voulu séparer, bon, après, voilà. Tu me dis nous, quoi? On s'est laissé emporter par l'alcool, un peu. Tu me dis quoi? Bon, mec, devant tout le monde au bord du lac, les gars, je sais pas qu'est-ce que nous a